fatigue. J'ai travaillé un petit peu ce matin. Et là, je me suis dit, ben écoute, maquille-toi. Et pourquoi pas, ben fais-le avec les filles. Donc voilà. Pour le look du jour, pour une fois que j'y pense, petite chemise de chez Stradivarius. Donc en lin, étant donné que c'était exactement les mêmes que chez Zara, mais en moins cher. Enfin forcément, voilà, j'ai préféré les prendre. Et puis ensuite... En dessous, c'est le pantalon taille haute que vous connaissez aussi de chez Zara. Et tout en bas, mes chaussons que vous connaissez aussi. Je ne sais plus si je vous les ai présentés ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous les ai présentés sur Instagram. Je m'adresse à celles qui ne me suivent pas sur Instagram. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai plus accès... Alors, je ne sais pas si dans l'absolu, je me maquille beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de petites étapes, mais je ne mets pas énormément de produits. En tout cas, c'est vraiment l'impression que j'ai, surtout quand je regarde des tutos de make-up de personnes qui mettent plein de choses, du contouring, de l'highlighter, du baking, vous savez, la poudre, quand vous laissez bien beaucoup de poudre et que vous laissez vraiment agir avant d'essuyer, etc. C'est vrai qu'en termes de technique, j'ai un make-up qui est quand même assez, assez simple et qui me convient très bien comme ça. Voilà, tout simplement parce que j'ai une peau acnéique, à imperfection. Donc forcément, moins j'en mets, mieux ma peau se porte. Juste en termes de soins, donc toujours le sérum Vino Perfect de chez Caudalie. Ça je ne change pas. Ensuite, j'ai mis le Cicavit Plus de chez SVR, qui est la crème apaisante réparation accélérée anti-marque. Ça c'est pas mal, je me dis que au moment où ça répare en fait, si ça peut être anti-marque plus l'anti-tache, ça peut peut-être être pas trop mal, histoire que ça ne me laisse pas non plus une cicatrice profonde, en tout cas au niveau des boutons. Et toujours le soin anti-imperfection qui élimine les boutons de chez Noreva. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir ajouté la crème SVR, j'ai l'impression en tout cas que ma peau va un petit peu mieux. Donc après, on faut voir après sur le long terme. Des fois, un produit fonctionne dès le départ. Et puis une fois que la peau s'habitue, eh bien, il n'y a plus rien ni plus personne. Voilà. Je voulais ouvrir avec vous la box. La box que j'ai enfin reçue. Vous savez, quand je vous disais dans le vlog précédent... ou le vlog d'avant, je ne sais plus, qu'on m'avait volé dans la boîte aux lettres et que ça m'embêtait parce que je devais recevoir la double box, My Little Box. Eh bien, j'ai envoyé un petit message à My Little Box en leur demandant s'il était possible, dans la mesure du possible bien sûr, de me renvoyer la box parce que je me l'ai fait voler. Et en fait, ils ont été adorables, ils m'ont renvoyé la box. Donc on va faire un petit unboxing très rapide, ne vous inquiétez pas, de la box. Et en fait, ce qui était chouette, c'est qu'elle était sous forme de vanity. C'est la box juillet-août. Et franchement, c'était vraiment dommage de passer à côté et de ne pas vous la montrer. Déjà, regardez l'intérieur du carton, c'est un jeu. En fait, vous pouvez le découper et vous pouvez vous faire un petit jeu de loi comme ça pour l'été. Déjà, vous avez la boîte réutilisable que vous pouvez découper pour faire un plateau de jeu. Donc, c'était franchement super. Et en plus, vous avez donc le vanity designé, réalisé par Make My Lemonade. Sachant que derrière, hop, ça s'ouvre et ça se détache vraiment comme une pochette à part entière et seule. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, dans cette pochette, donc là vous avez en fait un porte-passeport. Et en ce qui concerne le... Ah, il s'ouvre en fait, regardez, vraiment juste, ben voilà, jusqu'en bas, vraiment il s'ouvre complètement. Donc My Little Box X Garantia, donc vous avez dans un pochon des petites... lingette démaquillante, ça c'est très bien, j'en ai déjà une petite dizaine et ça dépanne très bien, ça évite vraiment d'acheter du coton, ça c'est pour moi primordial de ne plus du tout utiliser du coton afin de pouvoir me démaquiller. Pour les ongles, j'en ai toujours forcément du coton, mais j'ai réellement réduit ma consommation de coton grâce justement au petit coton lavable. Ensuite, on a en deux gouttes de baguette la marque Garantia, toujours la crème des crèmes des nettoyants et démaquillants visage et yeux aux actifs anti-tiraillement et anti-âge qui se présente comme ça. C'est un super format et il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'est super.
Toujours chez Garancia, c'est une super marque, hein. Vraiment Garancia, je vous assure, c'est une très bonne marque. Vous avez l'eau démaquillante micellaire, visage, yeux et lèvres, et du coup c'est sans rinçage. Chez Garancia, vous avez la crème d'eau, donc vous avez le diabolique tomate. Il me semble que j'ai vu le diabolique tomate ce mois-ci dans un magazine en kiosque. Donc je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire des magazines, je crois que c'était dans le L, il me semble, je suis pas certaine, mais bon, en tout cas, je l'ai vu dans un magazine. Donc, soin actif hydratant 24 heures, repulpant, bonne mine. Voilà, de chez Garancia. Alors, une pince, hop là, à cheveux pour l'été. Ensuite, chez Rituals, vous avez crème pour le corps, un joli format pour partir toujours en vacances. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. On a chez Bioderma la brume solaire très haute protection pour les peaux sensibles avec un SPF de 50+. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je vais vous le montrer d'abord. Bon, voilà, il se présente comme ça. Je vais vérifier qu'on soit sur un format qui ne blanchisse pas la peau. Ce serait dommage. Parce que si c'est une protection solaire... Attendez. Ah oui. Non, c'est un effet complètement transparent. Regardez. Je pars pour celles qui ont vraiment la peau... Même si vous avez la peau blanche, à part si elle est très, 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 très blanche... Et encore, je trouve que ça se voit quand même quand il y a certaines crèmes, brumes, etc. qui laissent un fini blanc. Ça se voit sur vraiment tout type de peau. Un petit peu moins sur les peaux très porcelaines. Mais à partir du moment où votre peau n'est pas porcelaine, que vous avez juste la peau claire à très foncée. Alors là, bon, il y a un panel de couleurs entre, on est bien d'accord. Mais quand ça laisse une trace, c'est pas possible. Là, on a zéro trace. C'est super. Ensuite, on a le Je set et nails. Ah, comme Je set et match, je suppose. Hop, vous avez une petite lime à ongles, un coupe-ongles et une pince pour les poils. Et pour terminer, nous avons le shampoing de la marque Caddy Rose Repair Régénération et Soins. Ok, il y a de la rose, il y a du chicacay, de la licorice root, du loudar, du vétiver... Amla, Rita, hibiscus, aloe vera. C'est marrant parce que c'est toutes les poudres indiennes que je prenais, la poudre d'amla, etc. Donc c'est assez rigolo. Et vous avez de l'aloe vera qui est vraiment très très bon pour venir apaiser de la chaleur. Donc je pense que ça, c'est vraiment un shampoing parfait pour l'été et notamment les jours vraiment très très chauds. Donc vraiment bonne pioche, je suis super contente et je suis vraiment contente de l'avoir reçue. Et vraiment merci à My Little Box de me l'avoir renvoyée parce que franchement ça m'attristait trop de ne pas pouvoir vous la montrer parce que je trouve que c'est un concept qui est bien sympa de faire une double box l'été. Et en plus l'équipe My Little Box elle est super, enfin franchement ça m'embêtait vraiment de m'être fait voler, puis de m'être fait voler, ça m'embête aussi. Donc voilà. Nous sommes jeudi, aujourd'hui. Je vais me faire un café froid. Je crois que vous avez déjà parlé de ce café froid que l'amoureux m'avait ramené de chez Nespresso. Mais je n'ai pas goûté le deuxième. Non, c'est sur Instagram que j'en ai parlé, je crois. Je ne me rappelle pas. Là, c'est la question, la grande question. Voilà, je sais plus si je vous les avais montrés, mais vous en avez un, bref, à la noix de coco, et vous en avez un, ici, liminage, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est citron, extrêmement bon, et surtout, regardez comme il est beau, il y a une feuille de monstera dessus, donc fabuleux, forcément, je me sens concernée. Alors celui-ci, voilà, est très très bon, mais je l'ai déjà goûté plusieurs fois, et j'avais envie qu'on goûte aujourd'hui celui à la noix de coco. Alors, pour ça, en fait, vous n'avez pas besoin que votre machine à café fasse de l'eau froide. Il faut tout simplement mettre des glaçons dans votre tasse. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va les mettre des glaçons et ensuite, je ferai couler un café totalement classique dans ma tasse. Attendez, on va profiter pour mettre un sucre et on va mettre des glaçons tout de suite. La magie du montage. Donc là, ça y est, on a... les glaçons. On va ouvrir le Coco Flavor Over Ice. Il est beau lui aussi. Il y a une petite plante dessus, un petit peu comme l'autre également. Je vais m'en verser quelques-uns ici. J'adore la noix de coco. Et je me fais toujours un grand et c'est parti. Vous le faites couler comme un café classique. Vous voyez, il y a la fumée. Donc voilà, c'est un café qui est chaud.
mais qui est fait pour être bu froid. Si vous avez envie de le boire chaud, ben, grand bien vous fasse, hein, comme on dit, mais ce n'est pas le but de l'affaire. Ça sent hyper bon, ça sent la noix de coco, mais il n'y a vraiment pas de doute sur l'odeur. Donc si vous n'aimez pas la noix de coco, déjà, c'est même pas la peine. Et vous touillez comme ça pour qu'il soit bien glacé. C'est pas comme un café classique que vous allez glacer, en tout cas pas pour le goût précédent, celui que j'avais déjà goûté. C'est vraiment fait pour être bu froid en fait. C'est fait pour et c'est bon comme ça en fait. Je me demande pourquoi j'ai mis autant de temps à tester. Il est meilleur que le précédent. Alors, je ne sais pas s'il est léger par le goût ou si c'est parce que j'ai mis beaucoup de glaçons et que du coup, voilà, le café s'est bien mélangé à l'eau, hein, finalement. Mais en tout cas, je l'adore. Et moi, sachez, si ça peut vous intéresser, après peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour juger de ce café, que moi, je préfère les cafés américains, les americanos, vraiment. Les cafés qui sont extrêmement dilués, les gros, gros, gros mugs de café, c'est ce que je préfère. Et les trois quarts du temps, je fais couler un grand café et je rajoute un petit par-dessus. Et il m'arrive même de le rallonger à l'eau chaude de ma bouilloire. Donc voilà, donc forcément, moi, s'il y a beaucoup de glaçons dans un café, forcément, j'adore. Donc j'avais envie de commencer un petit haul avec vous, donc je me suis mise juste ici. Je me suis dit qu'en début de vidéo, ce serait parfait. Prenez votre petit thé froid, vous aussi, votre petit café froid si vous avez. Mais c'est vrai qu'on a plus de thé froid que de café froid à la maison. J'avais envie de revenir avec vous, donc voilà, sur mes différentes acquisitions. J'ai reçu des messages me disant « Manu, tu ne nous as pas parlé de la combinaison ?» Hein, tu ne nous as pas fait un haul sur la combinaison. C'est vrai que je vous ai montré ma combi lors de nos dernières vacances à Séville. Je vous l'ai montré dans le lookbook. Mais c'est vrai que je ne vous en ai tout simplement pas parlé. Donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment de tous ces achats. Voilà, faut pas du tout vous inquiéter. Donc c'est parti. On va commencer avec une marque que j'ai découverte très 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 récemment qui m'a proposé de recevoir leurs vêtements. Il s'agit de la marque Berlook. Et pour Berlook, j'ai un code promo. Je préfère vous le dire parce qu'à chaque fois j'oublie, je sais jamais que j'ai des codes promo. Enfin, je lis les mails à moitié. C'est voilà, c'est ma grande passion. Donc avec Manuela 15, vous avez moins 15% sur le site Berlook. Berlook qui propose des vêtements durables dans de belles matières. Je vais commencer par cette robe. Si je vais vous intégrer des images parce que c'est vrai que porter comme ça à la main, c'est compliqué. Elle est 100% lin. Comme je vous l'ai dit, moi l'été, le lin, c'est vraiment la matière que je privilégie avec le coton. Et regardez-moi l'arrière de cette robe, juste magnifique, elle est somptueuse. Si vous ne pouvez pas ne pas mettre de soutien-gorge, ce qui est mon cas, si vous avez une poitrine un petit peu lourde, vous pouvez tout à fait la porter avec votre soutien-gorge. Il faut bien vérifier que votre soutien-gorge vienne vraiment au niveau de la bande arrière, ça c'est très important. Même si ce n'est pas la même couleur, honnêtement, c'est pas très très grave, je trouve. Elle est ajourée sur les côtés et moi je mesure 1m59, des fois je dis 60, ça va dépendre des jours, donc comptez 1m60 si c'est plus simple. Comme ça vous voyez à peu près pour la longueur de la robe, elle est très longue, elle est parfaite et ça fait vraiment partie pour moi de ce que j'appelle les robes simples, les robes faciles. C'est très important pour moi d'avoir une robe facile, c'est-à-dire une robe où j'ai pas à me poser la question de est-ce que j'ai le décolleté, est-ce que la fente elle est pas trop remontée, est-ce que je peux me baisser, est-ce que elle est parfaite. Elle est parfaite, vraiment j'ai pas d'autre mot que elle est parfaite. Voilà. On continue donc toujours avec Berlook, avec cette très 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 jolie chemise 100% coton. Elle est jaune, je ne sais pas si vous verrez vraiment la différence. Je pense que si, vous voyez par rapport à mon pantalon qui est plutôt couleur sable, quasi blanc. On est sur une chemise jaune, c'est un jaune très doux que j'ai trouvé très beau. Et c'est surtout l'ouverture dans le dos que j'ai trouvé encore plus jolie. Et la mannequin sur le site la portait avec un pantalon vert, donc celui-ci. Le pantalon est canon en termes de matière, voilà, c'est pas ça, mais honnêtement j'ai trouvé le mix magnifique. Je trouve vraiment que les deux couleurs se marient à la perfection. J'ai vraiment trouvé que c'était très très beau et comme c'est un vert qui tire un petit peu vers le jaune citron, honnêtement c'est un look
canon. La qualité, vraiment, en tout cas, je parle des pièces coton et des pièces lin, c'est une merveille. Vraiment, je suis très contente. J'ai choisi tout en lin, bien évidemment, un pantalon de pyjama dans les tons bleu ciel. C'est un bleu tout doux, un bleu super doux avec sa chemise. Donc là, c'est encore pour les températures actuelles. En automne, ça ira évidemment. Très joli pyjama également sur une pièce même de maison finalement. Donc voilà pour Berlook qui pour moi, en fait, vous pouvez foncer les yeux fermés en termes de qualité. Vraiment, pour les pièces, encore une fois, coton, lin que j'ai testé, je suis super contente. En ce qui concerne les achats en Espagne, donc j'ai acheté cette combinaison dont je vous ai de toute façon mis le lien, qui vient de chez Zara. Il a fait 43 degrés à Séville. On avait des vêtements, mais c'est vrai qu'on n'a pas prévu qu'on allait devoir se changer deux fois par jour, tous les jours. Donc forcément, même si on a toujours, on prévoit toujours 2-3 t-shirts en plus, etc. C'est vrai que voilà, on a été pris un petit peu au dépourvu. Et du coup, c'est vrai que j'avais acheté cette combinaison Zara avec la ceinture comme ceci qui va avec dans les tons vert kaki olive, que j'ai adoré. Mais sachez que j'ai vu dans des petites boutiques de revendeurs des robes, exactement la même chose, des robes avec exactement la même ceinture en différents coloris. Dernière pièce que j'ai achetée en Espagne, vous connaissez ce blazer que je vous ai présenté sur Instagram de la marque espagnole Scalpers, dont j'ai adoré les détails. Les motifs jacquard, elle est magnifique, elle est superbe. La marque Scalpers est une marque espagnole, il n'y a pas de boutique en France. Vous pouvez bien sûr acheter sur le site et je pense qu'il y a des revendeurs. Et ce qui est vraiment encore plus canon sur ce blazer, hop, c'est le double boutonnage. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo, double boutonnage à l'arrière avec un très joli pli ici. C'est le vrai coup de cœur pour moi, en tout cas, de ce blazer qui est juste magnifique. Et pour terminer, bon, je ne vais pas vous le montrer porter celui-ci parce que c'est un t-shirt qui est quand même assez basique. On est sur un t-shirt Cost, je sais plus si je vous l'ai dit. J'avais acheté un t-shirt Cost de seconde main dans la friperie que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y en a une d'entre vous qui, à chaque fois qu'elle va dans la friperie, m'envoie un petit message et tout. Du coup, c'est assez rigolo. J'avais acheté, donc oui, je vous disais, le t-shirt. C'est en taille M blanc. La qualité, elle est formidable. J'ai jamais vu ça, en fait. C'est-à-dire que il y a une différence entre les cotons Mango que j'achetais avant et qui dépannent très bien et les cotons Cos. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il y a des t-shirts vendus 5 euros d'un côté et 30 euros de l'autre. C'est pas le même coton. Très beau retombé, droit, beau coton, avec un blazer de costume, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté en rentrant. Donc je vais continuer avec ces petits achats que j'ai fait toujours à Séville. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la boutique Primor, elle n'est pas disponible qu'à Séville. C'est une boutique que je n'ai vue de mémoire qu'en Espagne, ça c'est sûr, et qui n'affiche pas les prix de ce qu'elle vend. Et si j'ai bien compris, parce que la dame a essayé de m'expliquer pourquoi il n'y avait pas les prix, je crois qu'il se base sur les prix du marché, qui fluctuent un petit peu tous les jours ou régulièrement. Et du coup, eux, ils s'adaptent en fonction des prix du marché. Donc, il n'y a que quand tu passes en caisse qu'ils sont capables de te dire quel est le prix de l'article. Et si je dis pas de bêtises, mais vraiment, stoppez-moi et dites en commentaire si je raconte des bêtises, hein. Je crois qu'ils essayent de se baser sur moins tant de pourcents que le prix initial. Donc vous avez sur certains produits étiquetés, comme c'est le cas de ceux-là dont je vais vous parler, vous avez le prix basique et le prix Primor, donc de la boutique. Et pour les pièces un petit peu plus luxe, c'est la même chose, sauf que c'est seulement en caisse que vous le voyez. De mémoire, j'avais acheté un vernis Chanel il y a des années de ça à Barcelone dans une boutique Primor aux alentours de 23 euros, ce qui n'est pas le prix d'un vernis Chanel en France par exemple. Donc je crois que voilà, il y a une espèce de taxe ou quelque chose comme ça, et eux, ils prennent moins tant de pourcents que le prix initial. Donc, étant donné qu'on devait prendre l'avion, l'amoureux m'a vite calmée lorsque j'ai vu des tonnerres, des nettoyants, des machins. Il m'a dit 100 millilitres. Hein. Et j'ai dit, ah ouais, c'est vrai.
Donc, je me suis contentée de petites choses comme ça. Donc, je me suis pris de la marque Pig Clear, donc des patchs pour les points noirs. C'est la première fois que je vais tester des patchs pour les points noirs. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Je pense qu'on tentera ça peut-être demain matin ensemble. Ça pourrait être rigolo. Je vous montrerai les détails de mon anatomie du nez. Donc, voilà. Là, il y a le vrai prix. Donc, 8,95 €. Prix Primor, 4,95 €. Voilà, il y a 4 € de moins. Ensuite, je me suis pris, comme il y a eu du soleil, mais un soleil, mais il faisait tellement chaud, je m'étais dit que je me prendrais un petit cheat mask. Donc, c'est un masque à l'aloe vera de la marque Banya Mask. Et après, c'est écrit, j'ai l'impression, en coréen. Donc, prix Primor uniquement 1 €. Je n'ai pas le prix de base, mais bon, je pense qu'il devait être à quelque chose comme 2 €. Donc, voilà comment ça se présente. Et là, je me suis pris... Alors, à l'intérieur de chaque paquet, il y a 22 patchs contre l'acné. On en a 22 et 22 pour 2,99 €. Donc, sait-on jamais si ça fonctionne. Vous avez celui de la nuit et celui du jour. Donc, ce sont des patchs qui se présentent comme ça, de la marque Braille, je dirais, ou Brilli. Braille. Je pense que c'est le type de produit que vous pouvez retrouver sur YesStyle parce que j'étais dans la section coréen, voilà, beauté coréenne. Et ensuite, je me suis pris, comme vous remarquez en ce moment, je ne sais pas trop, c'est vrai que je ne mets plus énormément de rouge à lèvres. Je passe... ça m'arrive, hein, j'aime bien, hein, toujours. Mais c'est vrai que je passe sur des choses qui sont un petit peu plus baume, légèrement colorées, mais pas trop. Voilà, c'est vrai parce que j'aime beaucoup mettre du fard à joues en ce moment. Je pense que j'abuse un peu, d'ailleurs, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir, donc je le fais. Et je me suis pris, du coup, le baume à lèvres révélateur de couleurs naturelles, donc qui fonctionne avec le pH de la peau de chez Dior, que j'ai pris également en Espagne, à Séville. On est sur la couleur 01 Pink qui se présente comme ça, que je pense que vous avez déjà vu passer. Voilà. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. Je suis super fatiguée. J'ai une mine affreuse, comme vous pouvez le constater. J'ai même pas eu à cœur de me coiffer correctement. Enfin, là, je sors vraiment parce que c'est la nécessité, mais pas parce que j'en ai envie. Je profite, il n'est pas 10 heures encore. Je profite du fait qu'il fasse extrêmement gris dehors, qu'il n'y ait aucun rayon de soleil pour sortir parce que je vous ai pas dit. Je suis couverte sur toute la poitrine. Ça commence à monter au niveau du cou. Enfin, là, ça se calme un peu. Au niveau du cou, sur le ventre, des plaques rouges. Je vais consulter un médecin que je suis obligée de prendre sur Doctolib, que j'ai jamais vu nulle part, etc., puisque aucune dermatologue disponible. Il me dit qu'il ne sait pas ce que j'ai. Il me dit, je vais être très honnête, je ne sais pas ce que vous avez. Du coup, il m'a mis sous antibiotiques et sous antihistaminique. C'est peut-être ce qui me fatigue, parce que honnêtement, je crois que mon système immunitaire, il est au bout du rouleau, vous voyez. Et il me met là-dessous, donc ok, jusqu'à ce que je vois la dermato, que je vois mardi prochain, donc le 23. Vous pouvez sortir, mais par contre, vous ne vous exposez absolument pas. Donc en fait, mes manches, il faut que je les redescende. Voilà, le col, idéalement, s'il est fermé, c'est mieux. Donc voilà, je profite là vraiment qu'il fasse gris. Après, les rayons de soleil traversent toujours, mais c'est quand même nettement moins fort que si le soleil brillait fort dehors. Donc voilà, je crois que je vous ai fait un petit résumé. Je vais aller poser là vos colis Vinted, très important. J'en ai 4 à poser. Et ensuite, je vais essayer de trouver un tuteur en fait pour mon Monstera qui est là-bas. En fait, ça, c'est mon Monstera qui est là. Et en fait, cette partie-là, tout ça, donc c'est quand même assez grand. Hein. Cette partie-là est très très grande. Regardez la taille de ma main à côté de la feuille. Donc voilà, ça vous donne peut-être une idée. En fait, lui est censé être comme ça. Et voyez, la plante, elle est plus haute que moi. Elle doit avoir la taille de l'amoureux. Elle doit faire 1m85, quelque chose comme ça. À quelque chose près. Et en fait, il est censé être debout. Mais comme vous voyez, hop, il est tout penché. Je pense que je peux mettre en fait un tuteur à l'intérieur pour le faire tenir, un long verre. Le pauvre Monstera est dans ce sens. Donc voilà, on va poser les Vinted et on va chercher un tuteur.
Ça y est, je suis super contente. Hop, 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 hop. Non mais c'est un truc de dingue, regardez comme il est grand. Et finalement, la tige, elle dépasse plus tant que ça. Autant c'était choquant quand on voyait, voyez, à partir de là, on la voyait grimper toute seule. Autant maintenant, ben, en fait, c'est pas du tout, du tout, du tout choquant. C'est quasiment un arbre, en fait, que j'ai à l'intérieur. Je me sens bien et soulagée de l'avoir redressée, en fait. J'avais vraiment l'impression d'avoir comme quelque chose de mort, entre guillemets, dans l'appartement. Et là, en fait, ça me... Je sais pas, ça me fait énormément bien. Vous savez, quand on dit qu'il y a des thérapies par les plantes, etc., qu'on soigne aussi les gens en leur faisant toucher des arbres, etc., je crois que... Enfin, je me dis que quelque part, peut-être que c'est vrai, parce que ça fait du bien, en fait, de réussir à faire grandir une plante, de se dire qu'on arrive à créer un petit peu, pas la vie, mais en tout cas à la maintenir. Et de se dire qu'en fait, bah, quand elle va pas bien, je vais pas bien aussi. Et l'excitation que j'ai quand j'ai une nouvelle feuille, mais pour tout, hein, que ce soit même mon petit poivron, je sais pas, il est en galère, mais bon, c'est pas grave, il fait son petit bonhomme de chemin à son rythme, comme les enfants. La plante que j'ai dans la salle de bain, dès que ça me fait une nouvelle feuille, je suis surexcitée comme si, je sais pas, j'avais gagné quelque chose de même pas chiffrable, en fait. C'est même pas comme si j'avais gagné au loto, en fait. C'est encore plus que ça, je sais pas comment expliquer, c'est même pas comparable, mais ouais, je suis contente. Et là, j'ai l'impression, je sais pas, de respirer, en fait. Le fait de l'avoir remise, je sais pas, ça me fait énormément de bien. Et j'étais pas bien, en fait, de l'avoir comme ça. Je suis très heureuse, j'ai l'impression d'avoir récupéré un poumon, limite. Et voilà, j'avais juste envie de vous partager ma petite joie. Et je pense que celles qui aiment les plantes ou qui ont des plantes ou qui ont une maman qui est fan de plantes et qui aime les plantes ou qui ont grandi dans cet univers-là, puisque voilà, moi, ma mère, elle a des milliers de plantes différentes qu'elle ramène de partout, en fait, bah, je pense que vous comprendrez et c'est trop bien, en fait. Je suis trop contente, je respire. Ce matin, nous sommes samedi, l'amoureux est à la maison. J'avais envie de passer au PHV parce que j'ai pas d'agenda pour la rentrée. Voilà, c'est pas que. Mais là, en fait, c'est dans 10 jours, donc il serait peut-être temps que j'achète un agenda. J'avais envie de prendre un organiseur, vous savez, un grand, parce que j'ai le petit de chez Louis Vuitton, mais je le trouve trop petit. Donc lui, j'avais envie de le transformer en prise de notes, en fait, ou tout ce qui est to-do list, idées de vidéo, idées de contenu, etc. Le noter plutôt dans le Louis Vuitton et dans le grand, avoir vraiment mon agenda. En fait, je vais mixer les deux agendas, qu'ils soient pro et perso. Alors vous me direz, je peux le faire sur ordinateur, mais honnêtement, j'ai pas le réflexe. Même avec mon téléphone dans les mains, j'ai pas le réflexe d'aller consulter mon agenda sur le téléphone. Je veux pas mettre de notifications, parce qu'entre les notifications YouTube, Instagram, etc., enfin, je me sens un peu harcelée, si vous voulez. Donc je préfère tous les matins ou tous les soirs ou dans le métro ouvrir mon agenda et regarder ce qui se passe sur toute la semaine, que ce soit pro ou perso. Je pense que je changerai juste de couleur pour ce qui est pro et pour ce qui est perso, tout simplement. Mais ça m'est déjà arrivé, en fait, d'avoir une réunion de prévu pour le travail, de le savoir, d'être du coup au travail avec l'agenda du travail, rentrer à la maison et avoir vu sur mon téléphone que j'avais dit oui à un événement que je suis obligée d'annuler, évidemment, parce que le travail forcément prime et c'est normal. Donc voilà, pour éviter les petites surprises ou de me retrouver avec deux choses en même temps, ou quand tu prends rendez-vous chez le médecin, que tu es au travail et que tu consultes pas ton agenda perso, vous voyez, tout ce genre de choses pour une question d'organisation et de clarté, et pour moi que ce soit moins brouillon dans ma tête, c'est plus simple en tout cas si j'ai tout en fait au même endroit.
Et comme je vous disais, prendre le Vuitton plutôt pour tout ce qui est to-do list. Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je sais que j'ai rendez-vous à telle heure. Ben, le matin, je peux, je sais pas, monter une vidéo, filmer une vidéo, écrire un article ou voilà, ou quoi, ou qu'est-ce. Et du coup, ça, je peux le rayer directement dans la partie to-do list. Tiens, j'ai des idées de vidéos, les noter plutôt du coup dans le Vuitton. Donc voilà, je vais voir si j'arrive à trouver un organiseur qui me conviennent, du moins physiquement. Je sais que tous les inserts, on en trouve sur Etsy, etc. Il y en a des super beaux. Là, j'aimerais bien déjà juste un basique où je puisse bien écrire, enfin voilà, avoir assez de place, parce que le Vuitton, en fait, il est super bien. Je l'aime énormément. Il est d'une qualité incroyable, mais il est en fait trop petit pour tout ce que j'ai besoin d'écrire. Et j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de mettre des post-it, j'ai besoin de quelque chose qui soit quand même assez gros. Et du coup, évidemment que je puisse pas transporter dans mon sac à main, mais dans mon sac à main, honnêtement, c'est pas mon organiseur que je vais mettre, c'est plutôt mes prises de notes rapides du coup dans le petit. Et dans le grand, c'est celui que j'aurai en fait toujours dans mon sac, soit de travail, soit à la maison, ouvert sur la table du salon ou sur mon chevet, etc. Donc voilà, petite réflexion de la journée. Donc j'aimerais bien trouver un agenda. Il y a beaucoup de soleil dehors. Évidemment, comme vous le savez, je dois fuir au maximum le soleil, parce que je commence à faire des réactions, j'ai des boutons et des taches qui commencent à... Enfin, surtout des plaques qui commencent à apparaître. Donc l'avantage que j'ai, c'est que je pense que je vais aller au BHV, parce qu'une fois que je suis rentrée dans le métro, j'ai un changement de métro, ou deux, je ne sais plus, et en fait, la sortie de métro se fait directement à l'intérieur du BHV. Donc du coup, je peux accéder à la papeterie assez tranquillement, et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, si on veut manger pas loin, je sais exactement quelle petite rue prendre pour rester à l'ombre. Donc ça peut être pas trop mal. Donc voilà, on va voir comment on s'organise. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je sais où je dois aller et comment le faire. C'est vrai qu'il y avait des endroits qui étaient moins chers. Si j'allais chez Giberjeune, c'est sûr que j'aurais payé nettement moins cher. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, j'avais envie de quelque chose de qualité. Je voulais un organiseur en cuir, idéalement, pour pouvoir le garder sur plusieurs années, plutôt que voilà, avoir un organiseur en espèce de plastique un peu transparent. Vous savez, j'aime bien les organiseurs transparents en plus. J'ai toujours eu ça d'ailleurs quand j'étais ado, mais ça s'abîme hyper vite. Donc là, j'avais envie d'investir. Tant pis pour le prix. Oui et non, je me comprends quand même, hein. Je veux dire, je ne vais pas mettre 300€ dans un organiseur. Mais j'ai vu qu'il y avait un sacré marché, en fait. Ça coûte, mais tellement cher, c'est incroyable. Et si tu en veux un sur mesure que tu prends sur Etsy, etc., j'ai pas trouvé d'Etsy français pour les inserts qui m'intéressaient, que je trouvais vraiment beaux. J'en ai trouvé que des Anglais ou des Américains, avec frais de douane, avec le Brexit, voilà, frais de douane également. Enfin, c'est un vrai business. Donc voilà, moi je vais en prendre un basique, et je pense que voilà, selon mon utilisation, comment j'en ai besoin, je commanderai à droite à gauche ce dont j'ai besoin pour l'améliorer et le rendre plus comme j'en ai envie. Donc voilà, c'est parti et on y va. De crâne comme jamais j'ai eu. Je pense que c'est dû à la chaleur.
je pense. Et puis, même avant de partir, en fait, je me suis rendu compte quand j'ai été sur mon téléphone et que j'ai levé les yeux pour regarder la télé, que le temps de réaction de mes yeux, d'adaptation, en fait, ça m'a un petit peu donné un vertige, je dirais. Donc, je pense que c'est la fatigue accumulée, juste. Donc, j'ai mis mes lunettes en rentrant, j'ai pris un Doliprane et c'est déjà en train de passer. Et ça fait, allez, 2 minutes que j'ai pris le Doliprane. Donc, je pense pas que le Doliprane, j'en ai réellement besoin. Je pense que c'est plutôt les lunettes qui font du bien et qui reposent pas mal les yeux. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça m'arrive en général que quand je vais au travail et quand je force vraiment sur mes yeux, quand voilà, j'ai mon petit groupe devant moi, il faut que j'aille surveiller ce qui se passe là-bas. Enfin, vous voyez qu'avec les yeux, je fais des allers-retours un peu partout. Là, oui, mais en général, à la maison, pas du tout. Enfin bon, du coup, petit état des lieux. On est passé chez COS. Je cherchais une chemise noire parce que je me suis fait la réflexion que je n'avais pas de chemise noire. Et je suis repartie, bien évidemment, avec une chemise bleu foncé. Mais super belle, super bien coupée, vraiment. Je suis super contente. Normalement, vous avez vu les images, mais il me semble que la cabine, c'était tout jaune dedans, donc c'est pas très beau. Là, je suis pas super propre, hein. on vient de dehors. Donc en fait, je vais juste vous la montrer comme ça. Elle est magnifique, hyper bien coupée, etc. Et j'en ai essayé une autre qui était superbe aussi. Je vous mettrai aussi le lien, mais je suis trop petite. En fait, les manches étaient assez bouffantes. Coupé en biais, enfin la couture des manches est magnifique, mais enfin toutes les coupes chez COS de toute façon sont magnifiques. C'est juste que je suis trop petite pour la chemise à rayures, donc j'ai pris la bleu marine comme ça, oversize, qui a l'air toute simple comme ça en apparence. Quand je les coupe comme ça dans le dos évasé, et surtout le plus beau est vraiment... C'est ce qu'il faut vraiment regarder chez COS, regarder les détails des boutons. Déjà sur la chemise que je n'ai pas prise, le détail des boutons était magnifique. Mais alors là, le détail des quadruples boutons sur la manche à l'arrière, c'est encore plus canon. Donc voilà, et on est sur une chemise organique coton. Bon, elle n'est pas 100% coton, mais en tout cas le coton qu'il y a dedans est organique. Pour 59€, c'est à peu près les prix chez COS, donc voilà, très bonne qualité. C'est la même qualité que mon t-shirt noir que je vous montrais en début de vlog. Et avant ça, on est passé au BHV. J'ai trouvé l'agenda que je voulais. Hop là, voici sa couleur. C'est une couleur entre le... je vais le mettre à l'endroit... entre le beige et le gris, voilà, pour contraster vraiment avec le Louis Vuitton, comme ça vous voyez vraiment la différence entre les deux en termes de taille. J'ai pas acheté les inserts que je voulais mettre dans le Louis Vuitton, je voulais uniquement un bloc-notes notes justement, donc juste des notes. Donc ça, je vais le prendre, je pense, je vais le commander, c'est pas grave, en même temps que je commanderai les inserts qui me plaisent pour le grand, parce que en fait écrire ici c'est un petit peu compliqué. Si vous voulez en fait les grandes comme j'ai mis ici, vous ne pouvez pas mettre la totalité de votre agenda à l'année parce qu'il est trop petit. Il faut vraiment écrire à la verticale. Or, écrire à la verticale, ça ne me dérange pas si l'agenda est grand, bien évidemment. Donc là, c'est le cas, il est grand. Je l'ai payé très cher, je trouve. Après, c'est le prix pour ce qui est agenda cuir, parce que l'insert qui est à l'intérieur, honnêtement, les inserts, l'agenda, ça, vous le payez 14€. J'ai regardé le prix des recherches, c'est pas grand-chose, c'est le prix d'un bel agenda en fait, si vous voulez. Ce qui va être cher en fait, c'est vraiment le cuir. C'est le cuir du produit, la beauté du produit, le fait qu'il soit complètement cousu. Je ne sais pas si vous verrez correctement, mais en tout cas, il est entièrement cousu. C'est surtout ça en fait qui va coûter cher. Je l'ai payé 168€, sachant que j'avais 10€ d'offert parce que j'ai fait plusieurs achats chez BHV, l'amoureux aussi, donc je pense qu'il a contribué malgré lui à tout ça. Donc ici vous avez une zone pour ranger vos cartes. Je vous ai pas dit la marque, c'est un Covadis. J'ai une bonne partie de tout l'agenda qui est là. Il faut faire très attention quand vous achetez vos agendas, à faire attention en fait à l'année.
Là, on est sur une année qui commençait en janvier. Donc, tout ce qui est de janvier à, on va dire, mi-fin août, j'en ai pas besoin, je vais devoir le retirer. Et je ne me servirai que de août à décembre. Ce qui m'arrangeait, en fait, pour être très honnête, parce que j'avais envie d'acheter des inserts, en fait, différents. J'en ai vu des très jolis chez Close & Paper. Je vous mettrai peut-être quelques visuels ici. Je trouve qu'ils font des choses qui sont magnifiques. Sauf que c'est aux États-Unis. Je ne sais pas combien de temps il faut pour que ça vienne. En termes de frais de douane, je ne sais pas du tout combien ça va coûter. Donc, je m'étais dit, je préfère acheter l'agenda ici. Dès décembre, j'enlèverai tout et je pourrai recommencer et vraiment le faire à mes goûts. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a déjà des intercalaires ici, donc j'avais envie de mettre une page peut-être finance, enfin dépenses, etc. Et tout à la fin, donc vous avez tout ce qui est cartes et compagnie, hop hop, et à la fin en fait vous avez un bloc-notes de feuilles ici, hop, que je pourrais insérer à l'intérieur des intercalaires. Donc je trouve que c'est pour moi en tout cas par rapport à ce que je cherchais, c'était super bien. Et il n'y avait pas de stylo avec, parce que je ne voulais pas d'un stylo, je voulais mettre mon stylo Swarovski à l'intérieur. Donc voilà pour le retour de l'agenda, et ici uniquement des notes pour noter, voilà, toutes les petites choses, les petites idées, voilà, tout ce dont j'ai besoin. Et ici plutôt l'agenda pro et perso. Voilà. Les filles, j'espère que vous allez bien. Je porte, pendant que j'y pense, la chemise que j'ai achetée hier chez COS. Alors malheureusement, ma caméra, je trouve, ne lui rend absolument pas justice. Elle est magnifique, vraiment. Et comme je vous disais, les détails au niveau des bras... La fenêtre est ouverte, vous l'entendrez. Les détails au niveau des bras est juste sensationnel. Et j'aime bien en fait ce côté extrêmement droit de la chemise qui est oversize, hein. On va pas tergiverser 3 jours dessus, sachant que c'est la plus petite taille, c'est la taille XS, donc évidemment vous pouvez aussi la rentrer dans votre pantalon, hop, et la faire blouser comme une chemise un peu plus classique et traditionnelle. Avec, je porte un jean blanc crop en bas, donc c'est un jean de chez Cimarron. Après honnêtement peu importe, hein. Et je la porte avec mes Vans. Mes petites Vans Bordeaux que j'ai depuis très longtemps. On sera sur le First de chez Balenciaga. Je crois que je vous avais dit que c'était le City. Je me suis trompée. C'est le First, donc c'était le tout premier. C'est pour ça qu'il est tout mou et que sur les côtés, il est mou également. Et du coup, il coûte un petit peu moins cher que le City de chez Balenciaga, alors que c'est quasiment le même. Celui-ci est vintage et vous avez les rééditions à l'heure actuelle chez Balenciaga qui coûtent un petit bras. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, concernant la chemise COS, je voulais vous dire une chose. Comme vous savez, c'est l'une de mes marques préférées. À chaque fois, je vous ai présenté, je crois, sur ma chaîne des dizaines et des dizaines de produits de chez COS que j'aime bien aussi acheter de seconde main. Donc c'est vrai que j'en avais trouvé pas mal chez mon... Comment on appelle ça? Dans ma friperie, dans laquelle je vais très souvent. C'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de produits de chez COS. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, vous le savez, quand on était chez Arquette, quand on était à Amsterdam, si vous avez vu mon vlog spécial Amsterdam, j'avais acheté mon jean Arquette là-bas. Et je vous disais sur Instagram que j'avais craqué vraiment pour un trench, mais qui avait plus du tout ma taille. Et en fait, le trench, je l'ai vu hier chez COS. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous le savez, mais COS Arquette font partie du groupe H&M. C'est la raison pour laquelle vous avez de très jolies pièces aussi chez H&M, mais de qualité un petit peu moindre que COS ou que Arquette. Sachant que dans l'ordre en termes de prix, vous avez H&M. Ensuite, vous avez COS. Parce que faites attention, COS, c'est une très belle qualité, c'est de très beaux designs de tissus, mais tout n'est pas 100% coton. Par exemple, cette chemise n'est pas 100% coton, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas très très chère. Et au-dessus, vous avez Arquette, qui est une marque beaucoup plus tendance, donc qui a l'air en fait un petit peu moins chère, qui a l'air d'être un petit peu plus pour les jeunes, un petit peu du type H&M. Mais par exemple, le jean que je portais hier et je pense avant-hier, en vlog, mon jean bleu que j'adore qui vient de chez Arquette, il est 99% de coton recyclé par exemple. Là on est, je crois, il me semble, je peux toujours vérifier, mais sur 79% de coton, d'organique coton, mais le reste ce n'est pas du coton.
Voilà ce que je voulais vous dire. Donc aussi par rapport au trench, si vous loupez une très belle pièce par exemple chez Arquette, sachez que vous allez retrouver très certainement des similaires chez COS ou alors chez H&M, avec une qualité qui sera forcément différente d'une marque à une autre, mais avec un style qui peut être semblable. Voilà pour le petit... le petit hiatus sur le groupe H&M qui possède d'autres marques évidemment que COS, Arquette et H&M. Sinon, pour la journée d'aujourd'hui, il fait extrêmement gris dehors. Du coup, je peux sortir, donc ça c'est top. Et ensuite, on ira très certainement, enfin en tout cas moi j'irai, il y en a un, il me suit ou il me suit pas, il fait comme il veut, mais j'irai chez mon super ami de la friperie. Justement, je vous ferai un petit retour si je trouve des petites choses. Si j'en trouve pas, ben si je reviens pas, c'est que j'ai pas trouvé. Si je reviens, c'est que j'ai trouvé. Je vous les montrerai comme ça en fait à bout de doigt, puisque je n'essaye pas avant de les avoir lavés. En boutique, je vais le tester rapidement à la maison et je le rends si ça ne va pas, ou je le passe en machine avant de le porter. Sinon, quand c'est en friperie, je n'essaye jamais, jamais, jamais avant de l'avoir lavé. De toute façon, les retours ne sont pas possibles. Donc à partir de là, ça n'a aucun intérêt pour moi d'essayer avant pour être sûre, etc. Je le lave et ensuite je vois ce que ça donne. Donc voilà, c'est parti. Eh bien, on va y aller. On va y aller. Nous sommes rentrés. Ça y est, j'ai trouvé plein. Alors, on va reprendre. Il m'a trouvé. Oui, je veux bien mon verre d'eau, s'il te plaît. Il n'ose pas passer devant la caméra. Merci. Chin. Avec de l'eau. Merci. Il m'a trouvé plein de pépites, parce que de nous deux, celui qui fouille le mieux, c'est quand même lui. Hein. Il déteste les friperies, il n'aime pas du tout la seconde main, mais alors pour trouver les pépites, c'est le meilleur. Donc voilà, on a trouvé plein de pépites, je vais aller les mettre à laver et je vais vous les montrer dans le prochain vlog. Je vais les laver tout de suite et dès demain, je vous les montre. Et on est parti dans un... supermarché, ça s'appelle le Chen Market. On était déjà passé devant, on avait juste pris un bubble tea et là en fait je vous ai filmé, j'espère que ce sera pas trop mal, plein de mignardises, plein de mignonneries, enfin c'était c'est trop bien comme supermarché, il y a plein de choses, si vous voulez tester vraiment des produits venus du Japon, etc. Enfin vraiment, vous pouvez vraiment vraiment vous faire plaisir, on a acheté plein de petites choses qu'on va goûter dans le prochain vlog. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vais poursuivre la suite de cette journée dans le prochain vlog. Je vous fais tout plein de bisous les filles.